Nous devons mettre un terme à une situation frauduleuse. Il faut une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques. Nous devons mettre un terme à une situation frauduleuse où des plateformes se présentent comme des simples intermédiaires entre un travailleur indépendant et un client, alors qu'en réalité, elles décident des tarifs, elles décident des sanctions, elles décident des méthodes de travail, tout ça sans assumer leurs obligations d'employeur. Pour y remédier, le Parlement fait dans ce rapport une proposition. Il faut une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques, une présomption de salariat liée à un renversement de la charge de la preuve. Et la définition du mot « présomption », elle est sans ambiguïté. Du latin « praesumere », prendre d'avance, la présomption de salariat signifie que les travailleurs sont considérés comme salariés des plateformes numériques dès le premier jour de la relation de travail, sans qu'ils aient besoin d'aller devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Cela ne signifie pas, bien évidemment, que tous les travailleurs des plateformes doivent être des employés. Il existe des cas où les plateformes sont réellement des intermédiaires. Je pense par exemple à la plateforme Doctolib. Et dans ce cas, c'est à la plateforme d'apporter les preuves qu'elle n'exerce sur eux aucun lien de subordination. Et dans ce cas, les travailleurs gardent leur statut d'indépendant. Si nous vous demandons d'agir, monsieur le commissaire, ce n'est donc pas pour forcer les indépendants à salarier. Si nous vous pressons, c'est d'abord pour remédier à l'extrême précarité des chauffeurs VTC et des livreurs de repas à deux roues. Mais c'est aussi et surtout pour l'ensemble du monde du travail. Si aujourd'hui nous permettons à Uber d'avoir des travailleurs sous ses ordres sans assumer sa responsabilité d'employeur, demain, c'est tous les salariés dont le statut sera menacé de remplacement par un faux indépendant. Merci. Dankeschön.